Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour du côté de la Guinée-Conakry pour vous faire part du remaniement au sein de l'armée. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé samedi 2 novembre 2024 à la nomination de plusieurs officiers dans les postes de responsabilité au sein du ministère de la Défense. Il s'agit inspecteur général des forces armées, général de division aérienne Ahmed Mohamed Ouri Diallo, matricule 21862G. Précédemment, chef d'état-major général adjoint de l'armée. Chef d'état-major général adjoint des armées, général des brigades Malin, Jakité, matricule 16560G. Précédemment, chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre. Chef d'état-major de l'armée de terre, général de division Abdoulaye Keïta, matricule 17664G. Précédemment, inspecteur général des forces armées. Ici sont donc les militaires hautement gradés, nommés à des postes de responsabilité, c'est-à-dire des postes clés ou encore stratégiques, par le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et beaucoup d'entre eux sont quittés des grades de général de division au grade général du corps d'armée. D'autres sont quittés du grade général de brigade au grade général de division. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez cotés à la chaîne, partagez avec vos amis si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.